Bonjour à tous. Merci de nous suivre pour ce flash d'information décédé le 1er août 2023 à Abidjan. Dans sa 89e année, le président Henri Konan-Bédier a eu droit à l'hommage de la nation et à des honneurs militaires. C'était hier vendredi 24 mai 2024 au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Notons également que la veille, le jeudi 23 mai 2024, a eu lieu la levée de corps du président Henri Konan-Bédier ainsi qu'une messe de requiem à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Et puis, fait marquant de cet hommage qui a été rendu à l'ancien président ivoirien, la présence de la quasi-totalité de la classe politique adversaire et alliée et de l'ex-président du PDCI-RDA sont venus donc lui rendre hommage. Ils gardent de lui l'image d'un homme profondément attaché à la paix en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons assurément à l'édition de 13h. Lever les obstacles qui empêchent les opérateurs économiques de bénéficier pleinement des avantages du code des investissements, c'est l'objectif des réflexions engagées eh bien, à Grand Bassam par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, en abrégé le CPC, autour de la table des acteurs du secteur privé. L'autre objectif est bien trouver des solutions destinées à faciliter les procédures d'accès aux avantages liés au code des investissements au profit notamment des opérateurs économiques. Le reportage de l'ancien Bakayoko. Dans la mise en œuvre du code des investissements, les opérateurs économiques relèvent quelques facteurs bloquants. Ces facteurs bloquants ont pour nom lourdeur des procédures dans la collecte et le traitement des documents exigibles, surtout les preuves de financement, ainsi que les écueils au niveau de l'élaboration technique et financière des demandes. Tout ce qu'on demande comme document pour pouvoir obtenir les avantages du code d'investissement, est-ce que ces documents aujourd'hui sont valides? Est-ce que ces documents peuvent être scannés? Est-ce que ces documents peuvent être obtenus directement auprès des administrations sans avoir à faire cette démarche? Donc c'est tous ces éléments-là qu'on est en train de regarder pendant le comité d'agrément, c'est d'avoir un guide. Selon le guichet des investissements privés en Côte d'Ivoire, l'une des innovations majeures pour bénéficier des avantages liés au code des investissements est la dématérialisation du processus, lequel processus devrait permettre la transmission des demandes en ligne. Au-delà de ces problématiques, le nouveau code des investissements met l'accent sur les investissements directs nationaux. Question de faire émerger des champions locaux. Tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, on veut vraiment passer à une phase de dématérialisation et on veut vraiment passer à un code des investissements qui sera beaucoup plus léger, allégé en termes de procédures, mais qui respecte les lois et les règles de la DGI, donc des impôts, et de la douane, mais aussi du ministère du Commerce. Sur la période 2019-2023, 1125 entreprises ont obtenu un avis favorable pour bénéficier des dispositions du Code des investissements pour un montant total de 40 milliards de francs CFA, avec une prévision de création d'emplois permanents qui s'élève à 40 722. Et dans l'actualité internationale, en Tanzanie, un court-circuit électrique dans une usine de sucre a déclenché une explosion qui a tué 11 travailleurs, dont 3 ressortissants étrangers. La panne électrique a provoqué l'éclatement d'un tuyau de vapeur alors qu'une équipe technique préparait des machines pour démarrer la production de la journée dans l'usine de sucre de Timboa, dans la région de Morogoro, dans l'est de la Tanzanie. Notons également que 2 autres travailleurs ont été blessés dans l'explosion et ont été soignés à l'hôpital de Morogoro. Timboa est l'une des principales usines sucrières du pays, produisant au moins 70 000 tonnes de sucre par an, selon les données du gouvernement. Et puis toujours dans l'actualité internationale du côté du Kenya, notons que le président américain Joe Biden a désigné le Kenya comme allié majeur. C'était à l'occasion de la visite d'État du président kényan William Ruto aux États-Unis. Notons également que 18 autres pays bénéficient déjà de ce statut particulier qui confère à ces pays qui en bénéficient des liens militaires et diplomatiques privilégiés avec les États-Unis. En Afrique, après l'Égypte, le Maroc et la Tunisie, le Kenya deviendrait ainsi le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir eh bien, ce rang, nouveau rang diplomatique et qui permettrait eh bien, à Nairobi d'avoir des relations militaires privilégiées avec les États-Unis, notamment pour l'accès à des armes sophistiquées et pour la formation des forces armées kenyanes.
Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec l'Ukraine. L'Ukraine qui assure avoir stoppé l'assaut russe sur la région de Kharkiv. Un assaut en cours depuis 2 semaines. L'Ukraine assure également avoir commencé une contre-attaque dans ce secteur du nord-est de son territoire. La Russie, rappelons-le, s'est emparée de plusieurs localités du secteur et a forcé l'Ukraine à déployer de précieux renforts dans la zone. Notons également qu'avant ces déclarations, jeudi dernier, une quinzaine de missiles ont frappé la deuxième plus grande ville d'Ukraine, située à seulement 30 km de la frontière russe, provoquant la mort de 7 civils et blessant 16 autres civils. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.